également Daryl Impé. Donc à mon avis, si on voit que l'écart stagne, on va devoir mettre des hommes en renfort. Allez, on retrouve à l'avant Thomas De Gendt. Alors là, on est au sommet de la côte de Roche-Taillée. Donc Thomas De Gendt qui se dresse sur les pédales, bien sûr, pour aller chercher les points de la montagne. C'est une côte classée, on le rappelle, en troisième catégorie, cette côte de Roche-Taillée. Donc deux points et un point pour ceux qui passent en première et deuxième.